Salut. Allez, 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 allez. Tout le monde en place, je sais pas pourquoi je fais ça. Bonjour, bonjour, bonjour. On avait entamé cette troisième partie de la saison 11 de The Walking Dead avec beaucoup de, je trouve, positivité, même si ce n'est pas parfait. Mon souhait, c'est que ça s'accélère et que ça parte un petit peu en couille partout, y compris dans cet épisode, et le plus vite possible parce qu'il ne nous en reste plus que 6 après celui-ci. Vous l'avez compris, réaction au 18e épisode, on y va. De papa, let's go. J'ai des biscuits pour manger à côté. Mais en fait, à chaque épisode, ils vont nous mettre ça. Mais c'est horrible. Ils vont me faire chialer là. Bon, on se retrouve dans la situation compliquée avec tout le monde qui pointe tout le monde. Oh, ok. Donc Mercer est là. What? Oh là là. Ça c'est bien ça. Oh là là, c'est trop stylé. Ouais, let's go. Bah, c'est ce qu'elle fait toujours. Moi, je l'aurais tué. Je l'aurais découpé. C'est déjà ça. Dans ta gueule. Mérité. Complètement mérité. Ah, Daryl. Oh, c'est incroyable. D'accord. Donc ils peuvent aller à Alexandria gratuitement. C'est ce qu'il faut. Mais ça serait bien, ouais. À mon avis, peut-être pas à long terme, quoi. Donc là, ils rentrent tous à Alexandria, quoi. Ok. Mais enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont rester au Commonwealth. Ouais, bof. Beaucoup. Oh, l'insolence du type. Il est obligé de le protéger parce que Pamela a besoin de lui. C'est tendu comme situation. Ok. Jugé, carrément. Virer du Commonwealth, let's go. You served yourself above everything and anyone else, always trying so hard to prove the world wrong. You're an angry, delusional little boy. J'aurais pas aimé à sa place. Petite pression. Ah bien oui, c'est grâce à lui ça. Ça craint parce qu'il a, il a fait des alliances avec tout le monde sans l'accord de Pamela. Lance Hornsby abused his position. The assistance of friends and allies, along with our dedicated armed forces, justice will be served. Ça va pas se passer comme prévu cette histoire. C'est vrai que est-ce qu'il y a des gens qui vont rester là? Changement de décor, bah oui. C'est l'avenir à Alexandria. Ça craint. Ils vont déjà se reséparer, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait au Sunshine finalement? C'est ça qui m'inquiète. Elle est amoureuse, mais c'est compliqué de passer ça après Henry, quoi. C'est vrai que c'était un chapitre très compliqué pour Carol et Lydia. J'aime bien Ron, moi. Il a tellement une évolution. Oh putain. Ça c'est du flingue, ça. It's the flingue of the person. Putain, traiter Adari de lâche. Compliqué la relation là. Donc eux, je sais pas, ils vont à Alexandria apparemment. Parce que Carol, enfin Maggie leur a dit d'aller à Alexandria. C'est-à-dire que Jerry quitte le Commonwealth. Qu'est-ce qu'il va faire Ezekiel? Il va partir ou pas? Ouais, il va rester. Mais ça se comprend, il était bien ici pour le coup. Hein. Ça se comprend, moi je l'aime bien Ezekiel et je comprends qu'il reste au Commonwealth pour le coup. Ça lui va tellement bien après tout ce qu'il a perdu. Il y a certaines choses que vous devez faire si vous allez lead ce place.
Est-ce qu'il est le digne héritier de cette place, quoi? Ah bah, yes. Ouais, un sacré connard surtout. Faut quand même rappeler que c'est lui qui tue Rick dans les comics, donc j'ai deux bases et une dent contre lui. C'est qui est enceinte là? Ah putain, oui. C'est vrai, on l'avait oublié cette histoire. C'est Negan qui va être papa. Staying here isn't an option. Yeah. It's not your own. Once you have kids, it's never the same. Pas tort. And I finally get to... C'est particulier, c'est profond de le voir dans ce dans cette situation, Negan. Donc ils vont pas rester. Ils ne restent pas au Commonwealth malgré le fait qu'il y a un bébé à gérer, quoi. Ce que je peux comprendre du fait que les soldats ont tué tous leurs copains du bâtiment qui avait été encerclé là pendant l'épisode 13 et 14. La veste. Ça, c'est The Vest, quoi. Where's Judith? Elle veut pas partir, Judith. Ben oui, il est pas du tout parent, Daryl. Ça n'a aucun sens. Wow, putain, Sophia qui est réévoquée, alors ça, c'est du bail. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est vrai. Sans déconner, ils vont vraiment aller... Non, ils vont voir Hornsby. Sérieux? Si le libère, c'est la balague de l'année. Ouais, c'est vrai. Possible. C'est compliqué cette histoire, hein. Il sait qu'elle est là. Ouais, let's go. Ouais, ça va partir en couille cette histoire. Ah bah. Salut Judith. Ça va ou quoi? What? C'est direct. Mais c'est des enfoirés eux. Enfin, genre ils vont faire croire que c'est quelqu'un d'Alexandria qui les a tués. C'est mignon les deux, j'adore. Il a souvent été seul, Daryl. Ouais. Ça se voit. Ça se voit depuis le début de la série. Est-ce qu'elle va lui avouer à un moment donné qu'elle sait que Rick est en vie? C'est quand même fou cette histoire. Hein. Tu peux pas lui dire, genre. Yes. Première mission. Dis comme ça, mais. C'est quand même Dari quoi, Zada. C'est pas un méchant gars. Leading isn't just telling people her words. Non, c'est sûr. Some truth might be the way to go. Respect that sort of thing. Aussi. Enfin, ça dépend le type de vérité. The Commonwealth is built on buying into bullshit to believe that the old American dream is still real. Ouais, c'est vrai ça. Par contre, ça c'est complètement vrai. Alors que le monde a complètement changé, les gars. Oh. Ah, elle a enregistré. Elle a tout enregistré, je suis mort. D'accord, ok, j'avais pas capté. Eh ben écoute, bam boum badaboum. Eugène qui est DJ, ça y est, let's go. Ah non, ils vont diffuser tout le message. Oh, ils sont trop forts. Aïe, 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 aïe. Pourtant, il y a un ring, hein. Il y a quand même un putain de ring. Là, t'as John Cena qui débarque. Quoi? Let's go. Il y a le micro et tout. Il y a tout. J'en peux plus. Il y a vraiment un match de catch. Aïe, 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 aïe. Ils vont mettre le CD. Ah putain, c'est terrible. Ah, il est en train de comprendre. Guerre civile. C'est parti. Oh. Wow, mais il est malade. Là, il est en train de comprendre, lui. Au calme, let's go. Mais eux, je les comprends pas, vraiment. Ah, il y a des zombies. Ah, mais oui, putain. Bah oui, je suis con, c'est ceux qu'ils ont tués.
supposed to protect me. My job is to protect the Commonwealth now. Wow, comme ça a changé. Wow, le flingue de Rick sorti là. Oh! Ouais, mais il va pas mourir, pas maintenant. Il est trop important pour l'histoire. Ah non! Ah, il se fait mordre! Ok. Moi, je dis oui, hein, je suis d'accord. Moi, je suis ok avec ça. Ok, ça me va. S'il meurt, c'est top. Propre, je suis d'accord. En fait, le fait qu'il meure, j'ai surkiffé parce que j'étais sûr, tout était construit pour ne pas qu'il meure. Je veux dire, même dans les comics, c'est un personnage relativement détestable, relativement important, qui fait beaucoup d'actions qui font évoluer l'histoire. Certes, là, ça reste un méchant qui apporte aussi beaucoup de choses à la série. Mais le fait qu'il meure, je m'y attendais pas. Le fait que personne n'intervienne quand il se fait attraper par le zombie, ça aussi j'ai beaucoup apprécié. Il s'est révélé sous sa vraie nature avec son dialogue en intime avec la copine d'Eugène. Coup de maître là-dessus. Mais c'est évidemment un coup de maître qui va foutre le bordel à l'intérieur du Commonwealth, ce qui fait que ça part un petit peu en guerre civile, etc. Du coup, je pense que l'accord qu'il y avait en début d'épisode entre Carol et Pamela, bon, ben, c'est, on peut l'oublier, à mon avis. Tout le monde va jouer pour sa vie et essayer de partir sans mourir. La vérité, c'est qu'ils sont aussi arrivés au Commonwealth sans vraiment donner leur vraie identité. Je parle des gens d'Alexandria, etc. Par exemple, là, on le voit très bien à la fin de l'épisode. Judith, elle met une balle dans la tête d'un rôdeur et t'as sa copine derrière qui est ultra surprise et qui comprend pas ce qui se passe parce que les personnes d'Alexandria, tout ça, elles ont pas montré cette facette là qu'ils ont quand ils sont arrivés au Commonwealth, justement. Donc c'est intéressant, je suis content, c'est monté d'un coup en intensité. On a perdu le fils Sebastian Milton, c'est pas n'importe quoi, ça va ramener beaucoup de choses. On suppose aussi que Hansby va se faire détacher, va se faire libérer, puisque les deux mecs en bas, enfin la meuf et le mec, on les a vus à la fenêtre. Là, on va avoir Milton, Hansby, peut-être, si c'est pas ensemble, qui vont s'allier justement contre Daryl, Maggie, etc. Ça va être le sujet des 6 derniers épisodes, la guerre entre le Commonwealth et le groupe de Daryl. Selon moi, c'est ça qui va se passer, et il va y avoir des morts ou pas, j'espère un petit peu de morts quand même. Mais à mon avis, c'est sur ça qu'on se dirige, à voir un petit peu où est-ce que Mercer va se situer dans tout ça, parce que j'avoue que c'est un personnage très badass qui peut, à tout moment, renverser la situation. Donc à voir déjà s'il le fera, et dans quel sens. Bref, épisode très positif, je suis très content, c'est monté en intensité d'un coup, il y a une belle prise de risque, ça je, pour le coup je le reconnais, bravo. Je trouve qu'il y a un meilleur niveau stratosphérique par rapport à la première partie de cette saison, il faut continuer sur ça, je suis hype. Voilà, en attendant j'espère que cette réaction à ce 18ème épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve évidemment très vite, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.